Attends, mon groupe. Je dois présenter. Il est sérieux. Donc, j'ai un message à la soutenir et tant de sièges. Je pole sana magumu yote yenyewe iliwapata hapa, saa yenyewe volka ilitomboka, lakini sisi tuko wa Kristo tunasema tu aksanti kwa Mungu kwa yote, na tunaprofite pia zaidi kutoa shukrani au gouvernement yetu, kwa president wetu, kwa watu wote wenyewe wakongomani na pia wandugu duniani nzima wenyewe balijiunga pamoja nasi wakongomani pamoja nasi watoto ya Goma, hasa hapa Kanyaruchinya kutupoleza na kutusaidia na namuna mbalimbali. Inafaa tunawaombea Mungu azidi na kuwabariki, parce que mwenye hakupendi hawezi kukukumbuka, si vile? Sasa wandugu wapenzi, jambo tena. Sasa siku ya leo nimekuja kuangalia jinsi gani kazi iko inafanyika hapa ya hii chakula kidogo ya asubuhi yenyewe ekipe yetu ya Initiative Plus ONG yetu iko inafanya hizi siku zote. Nilikuwa nafuata kuma image na kuma foto na kuma sauti zenye mulinitumia, nakuta kabisa kama wanafanya kazi sawa mzuri vile tuliwatuma kuifanya, si ni kweli? Wapigie kwa mikono na tunawapa asante kabisa. Tunasema hivi leo tumekuja kutafuta terrain na kuwasalimia na kuparticiper ku hii ugawanyo ya chakula kidogo ya asubuhi, na mtaenda mnajua polepole yenye vinilileta kabisa hasa hapa kufuatana na vile wakubwa walipanga na kuungana na wavolontaire wote wenyewe shida za dunia, shida ya sisi binadamu hazishaki. Lakini kama mtu iko na kafasi kakulalisha kichwa, magharibi kienea, watoto biko nafasi ya kulala, njo ya muhimu na ya lazima zaidi. Njo vile na nimeona na ndapita kuangalia kila mtu, kila jamaa kubashe yayo. Jamaa ili niweze kubaletea na mie ile mzigo kidogo wenyewe nilikuwa nayo pamoja na wote wenyewe walitusindikiza. Mimi najua jinsi gani sie tunaishi hapa kwetu Goma. Mimi najua kama sie wakomatrasien watoto wote ya Nord Kivu malgré kuleta insécurité, mais naona kama wakubwa walikamata madecision na tuko na imani na espoir ndani ya mioyo zetu kama Mungu atasaidia na sécurité itarudia kabisa sawa sawa à partir ya kazi yenyewe wakubwa wa mgini wakubwa wa jimbo sasa wako wanafanya. Mkwe munawaombea sana kwa sababu shetani ni muovu. Shetani ni muovu sana na majaribu yake sie ba Kristu silaha yetu ni nini? Ni maombi. Maombi yetu kila siku kwa Mungu atusaidie, asaidie wakubwa wetu kwa ajili kazi zao ziwezekane, tuishi sisi wote pamoja ndani ya amani ya Kristu na tuendeleshe majengo ya nchi yetu. Si vile? Leo particulièrement nitaparticiper ku hii chakula kidogo ya asubuhi na watoto hapa, kisha ndakuya rudia juu ya mzigo sasa yenyewe tulikuwa nao juu ya majamaa. Mimi ndapita kubashe ya kila jamaa na repete tena. Alafu siku ndapita juu nilikuwa hapa Goma juu yenu. Ni juu yenu ndio nimekuja hapa. Siku yenyewe ndapita ndio ndabapatia sasa habari ya yenyewe tulipanga zaidi kwa jinsi ya majamaa ijiretrouve tena kila mtu na kafasi juu. Mimi najua kama mlipoteza sana, majiwe imeisha kuharibisha maparsele zenu venye hawakuweza kurekipere, me Mungu atasaidia tutabitoka motu. Si vile? Basi na kwa kuklotire neno yangu ya leo, mina bafikishia salamu sana za baba yetu, za baba Sifa na baba Laurent. Nisema nisikose kubafikishia salamu yake. Jambo ya baba Sifa hii minabafikishia, na alisema anawapenda sana kweli, muko mbalimbali kimwili lakini kiroho iko pamoja nanyi hapa. Ndio kwa maana alitupatia ruhusa akatusindikiza na vifaa vyote kwa jinsi tuwafikie hapa juu kwetu sie ba Kristu. Vile Biblia inatuambia baba na mama ni moja, kuongeza moja ni sawa na moja. Maana yake mwenye anaona Mama Olive anaona na Papa mara moja si vile. Mungu awabariki, tutaonana tena na tutazidi na kuonana, sawa? Asante sana, siku njema. Lakini nilikuwa nilisema hivi, nilikuya huku juu yenu, nilikuya juu yenu, nilikuya kuwasalimia na kutoa pole magumu ya volkani yenyewe ilibafikia huku. Sasa ni kazi ya kupanga yenyewe tulibaletea sawa mzigo ya kubatolea juu ya pole. Wapigia kwa tena mkono. Na bado bangali pamoja na nyie hapa. Bangali watajitolea tena kwa muda fulani juu mimi naona kama watoto huko wenyewe habiko bien. Mimi najua kama hii masoso itabasaidia juu sante yabo kuwe mzuri. Si vile? Sasa darudia hapa na dapita ubashe ya kila jamaa. Ekipu zangu, sawa? Ushinde bien, ushinde na Yesu na kwa pesa mboti na bengami na kombo ya Mishokoto Michel nazala message ya koloba ke maire ndenya komi to sepeli ya trop moni biso bana ya Nord Kivu tozana danse moko oyo zana kati ya mboko na biso ya volcan tozana makasi moko ya souffrance moko ya makasi bandako nyoso etumbami biloko nyoso ebebi lelo tokomi kolala libanda na bana mike tozangi beloko nyoso bakarte bungi biso ba motu tozana ba lupango te tozaba ba locataire sikoyo bandako biloko ezikaki na kati ya ndako tozo loba na kati ya mere ye moko abana kotala bona biso ba motu tozana kambi te ba motu bazolala bazozwa eloko tepe bazozwa pe ozoyoka ekomineti ko inana ko sala moi tribalisme na kati ya ko ndio ya ko pesa batokotoyo basusu bazopesa bango te ya solo sepeli makasi nzambe akuma mape ya pesa maloboko onyo to azosala esike ezobima nzambe Maman Olive Lembe ye moko na kati ya terrain neti bana na yeba ngo tu batondi boye eza kitoko pona koyeba mama komi nzale sili ozoyoka to sepeli makasi ndenge mera komi ezala mobulu te ezala ya calme nyoso wana 22 mai dernier pour l'élection du volcan de la Congo vous c'est qui et qu'est-ce que vous pouvez placer comme mot de témoignage? Je réponds au nom de Théo Machaori. Comme témoignage, ce que nous voyons ici, sincèrement, n'est pas de ce monde. Cette générosité n'est pas de ce monde. Vous voyez derrière moi la présidente nationale de l'IPOLC, initiative plus Maman Olive Lembe Kabila, elle-même en personne s'est déplacée de Kinshasa pour Goma, en fait de venir en aide aux sinistrés du volcan Nyiragongo. Voilà pourquoi nous nous retrouvons ici pour accompagner la bienheureuse Maman Olive Lembe, communément appelée Maman Haro, de ces actes qu'il est en train de poser à l'endroit des enfants et des mamans qui ont été victimes de la récente coulée des laves sur la ville de Goma. Vous êtes du Nord Kivu. Vu l'état de santé de ces enfants, depuis le 13 juin, ils reçoivent cette bouillie qui est une matière nutritive pour eux. Qu'est-ce que vous avez à placer par rapport à l'état de ces enfants qui étaient peut-être voués à la mort, mais aujourd'hui, la vie serait sauvée? C'est vraiment une satisfaction. Sauver la vie, c'est prouver l'amour. Et donc, ce que maman fait, elle est en train de sauver la vie de ses enfants et de ses vieilles mamans, dépourvues de tout. Et donc, c'est une satisfaction quant à ce qui est de moi-même d'une manière personnelle, mais aussi de toutes les autorités de la République. Je crois que nous tous, nous devrions emboîter les pas de la maman. Nous devrions tous accompagner maman dans ses œuvres au travers l'IPOLC, en fait que l'assistance soit toujours régulière et que ce soit une assistance pérenne. Elle-même distribue la bouillie, elle en personne. Elle descend jusqu'aux petits-enfants, certains qui sont malnutris. Ça vous marque? C'est une marque, voilà pourquoi je dis que ce n'est pas de ce monde. Beaucoup de gens, de par leur statut, ont tendance à se taper la poitrine et monter très haut. Mais vous voyez, maman elle-même se rabaisse, jusqu'à même à goûter cette bouillie-là, elle est baignée, maman elle-même. Ça montre les cœurs, ça montre la profondeur, ça montre l'amour à l'endroit de tous les peuples congolais. Et donc, j'ai comme impression que tous les Congolais sont maintenant convaincus de la proximité des mamans en cas de problème, en cas de catastrophe. Descendre jusqu'à devenir petit avec les petits. Ah, ça c'est une histoire de la Bible, c'est Jésus lui-même qui opère au travers elle, j'ai comme impression. Merci. C'est moi qui vous remercie. Watoto viko wanapata bui kwa heshima yake. Tulikuwa watoto walikuwa wanashindaka njara, lakini turu wanapataka kale kabui, wanafurahi. Tunakuwa tunaenda shughulika, tunakutana watoto viko bien, tunapata na kitanda, tunapata na blanketi sio ya mama wa mimba. Tunafurahi sana, tunampokea sana. Tulikuwa tunaishi mubaya, lakini jua Mama Olive Jua mama Olive anaacha tunafurahi juu hata mtoto apate kare kafui. Siko tunaacha tuna watoto hawatagonjwa tena sana. Kuko mtoto mwenye alikuwa na marizaka mwaka hata miezi ngapi atapata kabui. Lakini jua mama Olive wetu mzazi wetu anaacha tunafurahi sana. Nous vous retrouvons ici sur le site où les sinistrés qui ont perdu leurs biens depuis le 22 mai sont logés. Mais qu'est-ce que vous avez à placer d'abord? Une présentation, vous c'est qui? Moi c'est M. Yannick Ndata-Bai, je viens de Bukavu, je suis cadre du PPRD et acteur politique. Vous vous retrouvez ici sur ce site où il y a eu éruption du volcan. Quel est votre constat? Quel est votre constat vu que il y a IPOLC en fait, qui vient en aide pour ces enfants victimes de l'éruption du volcan? Notre premier mot, c'est d'abord toute la compassion que nous avons envers ces populations de Goma. Et nous voulons dire toute notre gratitude à Maman Olive qui, à travers IPOLC, a pensé à ces populations sinistrées de Goma qui, comme vous le savez, la grande partie entre eux, il y en a qui n'ont pas encore de toit jusqu'à maintenant, parce qu'on est en train de penser qu'après le volcan, les gens sont rentrés tous à Goma et tous sont rentrés dans leur ménage. Mais il y en a qui passent encore la nuit sous la belle étoile, il y en a qui n'ont pas de quoi manger. Et comme il a été voulu, et comme il a été lancé par les autorités nationales, il était très important que cet élan de solidarité nationale puisse accompagner ces populations de Goma. Et Maman Olive, qui s'est toujours distinguée dans le social, vient encore de répondre favorablement à l'appel de la communauté tant nationale qu'internationale et au malheur qui a touché et affecté ces populations de Goma qu'elle est en train d'assister ici aujourd'hui. Vous êtes de Bukavu, mais vous êtes à Goma, c'est aussi une façon de compartir avec vos frères, vos collègues ou congolais. C'est non seulement une façon de compatir avec nos frères de Goma, parce que vous savez, on ne sait pas séparer le Nord et le Sud Kivu. C'est juste Sud et Nord, mais c'est les grands Kivu. Ce qui affecte le Nord Kivu touche directement le Sud Kivu, parce que nous avons vu la grande partie des populations. Il y en a qui sont partis dans les grands nombres, mais il y a un très grand nombre qui est parti au Sud Kivu. Donc nous sommes liés par le sort, le Nord et le Sud Kivu. Mais notre présence aussi, c'est une façon d'encourager Maman Olive qui s'est distinguée, comme je l'ai dit, dans sa manière d'accompagner le social, dans sa manière d'être compative avec ses frères, ses compatriotes. Nous sommes venus ici pour dire grand merci et pour l'encourager de continuer ici, non seulement avec la population de Goma, mais envers tous ses compatriotes de la République qui, à chaque fois, auront besoin de son soutien et à la mesure de ses possibilités, qu'elle puisse toujours être là avec ses frères et ses sœurs. Bien que par votre nom, vous êtes fils d'une famille coutumière. Quel est votre point de vue par rapport à cette position d'une maman hier, la première dame? Elle descend jusqu'à prendre la bouillie avec de pauvres, avec des enfants. Vous savez, une maman, ça reste une maman. Et il ne faut pas se dire maman, il faut être maman. Maman Olive est en train de surprendre par sa simplicité. Hier, elle a été première dame. Aujourd'hui, elle est première dame honoraire. Mais comme on le dit, comme on est en train de le dire, sa qualité a changé, mais son cœur n'a pas changé. Je crois que cette maman mérite beaucoup de respect. Et elle est même l'incarnation de valeurs que nos dames devraient avoir, devraient copier, de par sa simplicité, de par sa serviabilité. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est vraiment une fierté pour toutes les familles et pourquoi pas pour une nation d'avoir des femmes comme Maman Olive. Merci.